dis à très bientôt pour de nouveaux Hello? Where are you? You're missing it. Get down here right now. Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down here right now. Okay. Hurry up. Bonjour mes petits lapins, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un autre petit jeu. Aujourd'hui ça sera Splix.io, donc le lien est dans la description de la vidéo. Alors quel est le principe de ce petit jeu bien sympatoche, pareil hein, des jeux de détente avant d'aller vous coucher et tout, ça se passe bien, soit ça se passe pas la même chose, voilà. Donc quel est le principe du jeu? Comme vous pouvez voir dans l'exemple là, il faut créer des cubes. Plus vous récupérez des cubes, plus vous gagnez de points et plus vous êtes classé dans les 10 premiers. Ensuite, voilà l'exemple. Il faut, pour pouvoir éliminer les autres joueurs, il faut tout simplement buter dans leur trajectoire. Si vous touchez leur trajectoire, vous le éliminez et ils perdent tous ses cubes. Ensuite, pour pouvoir être classé dans les premiers par rapport aux autres joueurs qui sont toujours en jeu, il faut tout simplement aller écraser leur cube. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est plus facile à comprendre, à regarder qu'à vous expliquer. Bon, là ça va être un mauvais exemple. Voilà, je suis mort direct, voilà, merci pour l'accueil, là c'est fait. Allez, on en refait une autre. Donc là bien entendu je vous ai pas expliqué, mais vous mettez votre pseudo, ensuite soit vous faites une partie normale ou soit vous voulez jouer à plusieurs copains ensemble, il faut juste créer un lien et vous faites copier et vous donnez votre lien à tous vos amis avec qui vous voulez jouer. Donc là normal, hop, joint, allez c'est parti, oh, une belle couleur. Donc pour pouvoir se déplacer c'est avec les touches directionnelles. Donc là si je veux monter, flèche haut, flèche droite, flèche haut, flèche gauche, flèche droite. Et là donc le principe du jeu c'est faire le maximum de cubes de votre couleur. Donc là en haut à gauche vous avez la carte, donc là le point blanc sur route, c'est ce qui représente votre position. En haut à droite, c'est le classement des 10 premiers joueurs. Et en bas à gauche, vous avez le nombre de blocs que vous avez. Donc là, actuellement, j'en ai 458. Là, ça a augmenté. Et ensuite, je suis 67e sur 113. Donc là, comme vous avez pu comprendre, il faut faire un maximum de cubes sans se faire celui. Voilà. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Peut-être qu'il découvre le jeu. Voilà. Comme vous avez pu comprendre, il faut aller se buter vers le trajectoire de l'adversaire pour l'éliminer en fait. Okay, en bas à droite, il y en a un qui est en train d'écraser mes cubes. Donc on va essayer de récupérer. Hop, j'ai eu peur. Hop là. Voilà. Donc quand vous allez faire vos cubes dans le territoire de l'adversaire, donc vous récupérez cube, mais lui il perd les cubes. Et que comme vous allez l'écraser, on va dire, dans son territoire, donc du coup lui il perd des cubes et il perd des places dans le classement. Là par exemple, là je vais lui en prendre, je sais pas, 8. Là, il a perdu 8 cubes, pardon. Là il est à côté, là il va récupérer l'autre. Là va falloir faire attention, qu'à mon avis, c'est logique, il va aller le chatouiller. Optimus en plus, ouais, il est classé 10e, il va avoir un emplacement assez important, donc on va essayer de le chatouiller un petit peu. Donc voilà, comme tout, des astuces ou autre pour pouvoir gagner des cubes. Alors il faut toujours avoir en vue votre trajectoire, que si vous n'avez plus du tout de trajectoire, comme là par exemple, là je vois plus le haut de trajectoire. Faire très attention qu'il n'y ait pas un adversaire qui soit envers le haut. Là il butez votre trajectoire, et là vous perdez. C'est dommage, je vais l'écraser un peu, là, je vois plus de bas, hop. Je ferme ma boucle en fait. Au cas où elle est en train de. Elle est grignotée en haut. On va essayer de lui, nous de le grignoter par le bas. Voilà, elle est en haut. Bon, il a pas l'air d'être mauvais. Oh, ça a été chaud. Tous les marrons. Ah, ouais, bien joué. Et voilà, tant pis. Et bah, ben, faut recommencer. Donc là, voilà, paf, là, paf. C'est un peu. Ah oui, je vous ai pas expliqué.
C'est vrai. Il ne faut pas rentrer, il ne faut pas buter sa trajectoire. Que vous auto-killez en fait. Dommage, je m'aimais bien. Donc voilà, hop, allez, c'est reparti pour un tour. Donc là en fait, la première ligne en bas à gauche, kill, c'est le nombre de joueurs que vous avez. Oh bah, je pensais que ça allait passer. Il n'y a plus qu'à recommencer. Donc voilà, c'est comme tout, c'est un petit jeu de détente. Vous pouvez jouer un petit quart d'heure avant d'aller vous coucher pour vous détendre ou pas. Vous pouvez aussi le retrouver sur vos téléphones portables, si bien que sur iOS ou Android. Vous allez le télécharger sur votre Apple Store. Moi je parle bien. Voilà, lui il a pas compris, je pense. Donc voilà, un petit jeu que vous pouvez jouer tranquillement dans vos toilettes, tant qu'on vous embête. Moi le premier, j'adore jouer sur mon portable quand je vais aux toilettes. Bah ouais. Donc là, on va essayer de classer dans les 10 premiers. Ce serait sympa. On va essayer de voir si on arrive à faire quelque chose. On va essayer de trouver des petites astuces, gagner. Bon, j'espère que ça vous plaît comme petit jeu. C'est sympatoche. Moi, j'aime bien. C'est pas prise de tête. Quoique. Mais bon, ça cherche pas trop. Allez, allez. Un petit mana. Ouf. Ouais, j'ai merdé, chef. Allez, on en fait une autre. Donc là, on est au bord de la map. Ah oui, je suis bête. En plus, je l'ai dit en plus, faut pas rentrer dans sa trajectoire, sinon on s'auto-kill. Je me tue. Bon, est-ce qu'on va y arriver? Je suis classé dans les 10 premiers. Allez, je vais l'avoir, lui, même pas. Ça va être chaud. Alors là, j'ai fait un face-à-face. Je pense qu'on le tue parce qu'on est peut-être on a peut-être plus de cubes, je suppose, pour un face-à-face. Pour des cubes, là. Ah ouais, c'est ça qu'il faut faire très attention. Tant que vous êtes dans votre territoire, là je suis dans une zone neutre. Donc vous voyez ma trajectoire. Par contre, quand vous êtes dans votre territoire, vous ne voyez pas votre trajectoire. Donc du coup, on peut pas vous tuer. Tant qu'on ne voit pas votre trajectoire, on peut rien vous faire. Par contre, dès que vous faites votre trajectoire, là, à vos risques et périls. Donc faut faire très attention quand vous faites un petit combat. Pas vous faire avoir. Il y a beaucoup de monde là, dans les parages là. Donc à vous de faire travailler votre imagination, votre tactique de, on va dire, d'attaque. Ah, pas moi qui l'ai eu. Hein. Il fait un face à face avec quelqu'un ou autre. Quelqu'un a dû rentrer dans sa trajectoire. Et là, des fois, il faut prendre des risques. Hop là. Ce qu'il faut, surtout, c'est toujours avoir votre trajectoire en vue. Moi, j'espère que ce petit jeu-là vous plaît. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si ça vous a plu, pas plu. Mettre un petit pouce vers le haut. Partager la vidéo. Vous abonner à ma chaîne. Il y a plein de petits jeux comme ça. Vous les présenterez au fur et à mesure. Et puis, je ferai d'autres vidéos sur les jeux. Je ferai des petites parties. Une petite partie sympa. Ah, il y en a un qui vient dans mon territoire là. Oh. Donc là, vous voyez, on voit pas du tout nos trajectoires respectives, on va dire. Oh là. Ouais, voilà, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai merdé. Bon, est-ce que je vais arriver avec les dans les 10 premiers? Est-ce que vous croyez que je vais y arriver? Allez. Cette partie-là, je la sens bien. Je la sens bien. Ça va le faire. Donc lui, il est à côté. Lui, il va me grignoter. Bon, c'est pareil, on dit toujours, voilà, une petite dernière. Oh, une petite dernière. La petite dernière peut durer des heures. Ah, lui. Vous voyez, lui, je pense qu'il a voulu aller dans mon. Oh. Ouais, il a rentré là. Dernière. Et cette couleur-là, je la sens bien. Allez, on y croit. Les Big Bucks. Le 10e s'appelle les Big Box. Le 7e s'appelle Focu. J'aime bien ce pseudo-là. Focu. Et un jour, Focu, tu regardes ma vidéo, j'aime bien ton pseudo. Allez. Allez, celle-là. Je pense qu'on va se chatouiller de. Ah, j'ai pas oublié. Franchement, là c'est GG là. Ça gère. Ah bah lui il va pas gérer lui. Il a pas géré du tout. Faux. Ah. C'est qui le Big Boss là? Hein? C'est Bibi.
C'est Bibi et les Big Box. C'est dommage qu'on puisse pas se... Mais après, si il y a un petit chat, à mon avis, ça peut vite partir en cacahuète, je sais pas. Donc il doit y avoir une pluie d'insultes. Incroyable. Non. J'ai cru qu'il... Non. Je le sens pas, lui, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il... Il va être malin. Oh oui, bah qu'est-ce que je vous dis, il a été plus malin que moi. Bravo, bah... Allez, la dernière. La dernière avec cette belle couleur. Là, j'ai pris beaucoup de risques parce que je voyais... Parce que je ne voyais plus du tout ma trajectoire tout à l'heure. Et l'autre, il est en train de me bouffer tranquille, là, à côté, là. Oh, bah, il s'est fait avoir par sa... Par sa trajectoire. Ouf. Là. Ouais, c'est high. Il est chaud high. Bon, je suis 30 sur 122. Allez, encore 20 places à gagner. C'est jouable. Oh, le plus moi le con. Bon, sur ce, mes petits lapins, j'espère que ce jeu vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser des commentaires positifs ou négatifs, à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, bon, Splix.io, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux... pour des nouveaux petits jeux. À bientôt, ciao.